coup, voilà, je viens présenter mes guitares que je fabrique en Bretagne, du coup, dans le Morbihan. Voilà, ça fait pas très longtemps que je suis installé. Moi, ça fait un peu moins de 2 ans. Voilà, mais là, c'est que je suis installé à mon compte, en tout cas. Et avant, je bossais chez Maurice Dupont, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'ai fait 6 ans chez lui, où j'ai, pour le coup, beaucoup fabriqué de guitares. Et puis là, bah, j'ai sauté le pas de faire ça pour moi, quoi. Donc avec la partie création qui va avec, qu'on n'avait pas en tant qu'exécutant chez Maurice Dupont. Donc voilà, donc là Hugo va vous présenter deux guitares qui sont, c'est le même format, c'est donc la même guitare. Ce qui va changer en fait, c'est les associations de bois. Le modèle qu'il a entre les mains, du coup, c'est un modèle entièrement en bois français, donc du noyer, du merisier, de l'épicéa pour la table. Voilà, avec un son que je vous laisserai juger. Et après, on a quelque chose qui va être beaucoup plus traditionnel dans les assemblages de bois, avec du palissandre indien, épicéa, acajou et ébène. Voilà. Et avec du coup des rendus sonores très différents, intéressants tous les deux, mais avec des registres différents, quoi, qui permettent de... Voilà, d'avoir des choses différentes. Je vous laisse écouter. On y va ? Donc même histoire que tout à l'heure, hein, je vais commencer vraiment par un jeu assez libre, juste pour tester tout ce qui est justesse, etc., confort de jeu. Du noodle, ça s'appelle. Ressenti, c'est que c'est très ça projette énormément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça projette. ça me plaît beaucoup. Ok, on va refaire comme il y a des gens qui étaient déjà là. Je vais vous refaire le Julian Lage juste pour voir la différence. Ensuite, je vais essayer la même chose sur l'autre directement pour tester les différences. Même chose, on va faire un peu de noodle et après on y va. Thank you.
bien de l'âge pour voir. Comme toutes les guitares que vous présentez tous ici, je veux dire, c'est vraiment des instruments. Il faudrait 50 PEL à craquer pour, toutes, pour toutes les acheter. C'est vraiment superbe. Si on essaye de l'énerver un petit peu. Thank you.
marche, hein. N'est pas Thomas et Tommy Emmanuel qui veut, mais ça marche. Ouais, y a des passages que j'arriverai jamais à jouer, je pense, dans ce morceau. C'est super. Ah, je vais essayer juste avec le... Comme tout bon guitariste un peu exigeant avec les guitares, la pose du capot. Alors, je sais pas si ça vous fait la même chose, on peut en parler, mais moi, à chaque fois que je mets un capot, c'est faux. Donc, je sais pas si c'est moi, je sais pas si... Alors, hein ? Tu me rassures. Ah, je suis pas le seul ? Ah bah, moi, j'achète. Voilà. Mais pourtant, quand vous... Toujours à plusieurs fois et tout. Ouais, c'est ça, voilà. Et à un coup, ça marche, tu te dis, bon, bah, c'est... Mais pourtant, sur scène, quand tu vois certains artistes, paf, ils mettent un capot, et ça marche direct. Alors, je sais pas, moi, en général, j'essaie de le mettre vraiment à la lisière, comme ça, de la frette et puis voir tout de suite si il le savait, regarde, il le savait. Ah ouais, là tu marques un énorme point là. En général avec ce capot là, en tout cas celui-ci, ce modèle là, sur mes guitares, ce qui est faux c'est le si, il est toujours à réajuster. C'est la même chose avec l'autre. Ça, c'est Windy and Warm. C'est un arrangement de Tommy Emmanuel. Voilà, parce que j'aime bien Tommy Emmanuel. Et que c'est toujours un peu un challenge de bosser ces arrangements. Je vais le mettre au même endroit. Tu veux savoir si c'est vraiment inutile, c'est ça ? Bah, écoute, en tout cas, c'est étonnant, quoi. Parce que... Ouais, enfin moi clairement, que ce soit sur l'Amaton que j'ai ou sur les Taylor, toujours au même endroit. Tu fais tous les tests, tu le mets un peu de biais, etc. Mais en général, ce que je fais, c'est que je réaccorde. Je mets un capot et je réaccorde en fonction du capot. Sinon, c'est toujours faux. Et c'est pour ça que je suis toujours stupéfait quand je vois des artistes sur scène. Clac, ils mettent le truc et ça marche nickel. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est de ma faute, quoi. Ça vient de moi. Donc, non, c'est fabuleux, ça. C'est toujours la même histoire, mais regarde, il est content, il le savait que ça marcherait.
c'est exactement pareil, ça marche super bien, quoi.